Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo patch note. Bon, comme d'habitude, c'est de la merde, hein, étonnant. Lol. Donc, patch note Ragnarok. Hein. Bon, je dis direct, pardon, les termes. Bah, comme d'habitude, c'est de la merde. Donc, vraiment, moi, j'en parlais en off avec Vivien et pas mal de collègues. Moi, je pensais arrêter le jeu avec cette mise à jour. Et franchement, je pense que je vais arrêter le jeu. En fait, je m'amuse plus dans le jeu. Tout simplement, j'ai aucun plaisir. Le jeu est full cash-play. Même si moi je cache pas, tu vois, mais ça m'intéresse vraiment pas. En fait, on est arrivé dans un stade du jeu où pour t'amuser, tu dois payer. Tu dois payer, sinon tu t'amuseras jamais. Et les mises à jour, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. En 2 ans et demi, j'ai fait 10 fois les mêmes events. Donc, ouais, à un moment donné, faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, ça m'intéresse vraiment plus de jouer au jeu. Je sais pas, je vais faire quoi sur la chaîne YouTube. Mais ouais, je vais te présenter brièvement le patch note, hein, très rapidement. En vrai, j'ai même pas envie de parler. J'ai même pas fait, pardon, la traduction française. J'ai les traductions anglaises. Mais ouais, encore une fois, a priori, bah, des personnages limités, ça c'est sûr. Mais bah, utile pour l'oiseau, pour les gens qui galèrent déjà. Donc, encore un portail limité. Enfin, ouais, voilà, c'est si t'as pas Gozor Vert, t'as pas Margaret, t'en auras besoin. Voilà, donc encore un portail où tu vas devoir invoquer 600 gemmes. Avant, t'as eu une collab. Blablabla, cette death, on connaît les gars. Jeu de baleineau. Bref, on va présenter cette mage à vomir. Ragnarok, ouais, bon, on le savait, chapitre 3, un truc qui va te faire l'arrache. Oh, il y a un nouveau mob. J'avais pas vu. Nouveau personnage, je sais pas comment elle s'appelle. C'est la meuf qui a été leakée, Merlin. Les skins, c'est quoi? Fais voir. Encore des skins, hein, bien évidemment. Blablabla, putain, on dirait Brynhild, les skins, enfin bref, on s'en fout. L'anniversaire de Lyonnaise, un event qu'on a déjà eu 3 fois sur la JP. Et comme tu peux le constater, bah, c'est les ressources du début du jeu. Voilà. Boss Crab, 4 fois que je le fais sur la version japonaise. Voilà, donc là, t'as 5 tickets, donc en tout, ouais, t'as une multi offerte. 15 pièces, c'est ça, c'est cool ça. C'est cool. Ok, le world boss, 5 fois que je le fais dans le jeu. Encore une fois, t'as la multi, 10 pièces c'est ça. Bref, un event que j'ai déjà fait. Et voilà. Voilà. Des packs, bien évidemment, des packs, parce qu'il faut se faire de la thune dans le jeu, hein, ça va de soi. Des packs très très intéressants pour les cash players. Voilà. Petit rank up. Le rank up, bizarrement, arrive après la fin de la collab. Vraiment étonnant pour les gens qui ont envie de cash. Franchement, je suis étonné. Nouvelle relique. Alors, en vrai, les reliques, honnêtement, je sais pas c'est pour qui. Donc là, c'est pour, je crois, c'est pour la Merlin. Merlin été, il me semble. Donc 100% de votre puissance d'attaque. Donc en gros, ça réduit les HP max de 100% de votre attaque, de tous les ennemis. Ok, sauf pour les démons. Ça, skip, c'est une Merlin classique. Donc, les dégâts de la race inconnue sont augmentés de 35%. Je sais pas si c'est Merlin Fest. Les gars, honnêtement, j'ai pas trop regardé. Mais a priori, c'est Merlin, donc Merlin de l'époque. Donc, Merlin verte, Merlin rouge, etc. Donc, en gros, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Donc ça c'est mauvaise page. Et puis voilà. Voilà la mise à jour les gars. Ah oui, elle sur le guild boss. Ouais. Toujours pas de cave. Pas rien en fait, hein, tout simplement rien du tout. Rien du tout. Pas de cave. Ouais, bah franchement, bonne mise à jour. Hein. Putain, c'est... Ah, c'est incroyable, hein. La cave, gros. Enfin, bref. Let's go. L'aspect du nouveau perso, pardon. Elle a des atouts avantageux, hein, sur ce que je veux dire. What the fuck? Bon, ça, c'est l'aspect de Merlin Summer. Ouais, je sais quoi, ces skins, à chaque fois il y a des waifus et limite ils sont à poil, tu sais. C'est quoi ça en fait, genre, bref. Ouais, bah, go présenter les persos brièvement. Alors, la meuf, on va agrandir, je sais pas si on voit bien sur le...
Sur la vidéo, attends, je regarde. Ok. En gros, on voit vite fait. Au pire, hop. Au pire, j'augmente la police. Au pire, giga flemme. Bref, la meuf, en tout cas, son passif. Uniquement donc pendant l'oiseau, à chaque fois qu'un allié est full vie, ça va lui donner un buff qui augmente toutes ses stats de 8%. Il n'y a pas de durée de tour, il n'y a rien du tout, les gars. Stackable 5 fois. Voilà, il n'y a pas de tour. Si, pendant 5 tours en fait, pardon. Pendant 5 tours. Donc, ouais, c'est. Bah, comme je t'ai dit, c'est un personnage qui. On va dire qui va te permettre de faire l'oiseau si t'as pas Gozor Vert et Margaret. Le skill 1, c'est le skill d'amplification. Donc, le skill de Escanor Rouge, de qui AM. Donc, ouais, skill classique. Le skill 2, donc ça soigne les alliés de 325% de l'attaque du nouveau perso. Et pendant un tour, met l'effet récupération. Donc, ça te donne. Ça te soigne de 80%, il me semble, ou 60%. C'est 60% des HP que t'as healé. Donc, skill intéressant. Très très bonne healeuse. Pour activer son passif, c'est très très fort. Ok. Merlin était. Ah non, attends, l'ulti, j'ai oublié, les gars. L'ulti, c'est un ulti domination. Dégâts de domination en mono cible, a priori. Donc, pour l'oiseau, c'est ultra intéressant. Comme je t'ai dit, unité oiseau. Voilà, unité oiseau. La Merlin, je la trouve pas dingo. Vraiment, Merlin pour a priori Kingfest. Donc, son passif. Tous les ennemis prennent 25% de dégâts supplémentaires venant des attaques avec électrocution. Donc, comme je t'ai dit, bah, pour Kingfest, mais Kingfest c'est dead. Son skill 1, du coup, c'est un skill électrocution. Ok, nul. Skill 2, décrit. En gros, ça réduit les stats liés à la défense d'une cible. Et ça va bloquer tous ses skills. Sauf les skills de debuff. Donc, ouais, bah, skill cancer, j'ai envie de te dire. Ouais, skill très très cancer même. Et l'aspect, c'est l'aspect de Merlin été. Donc, tu connais, très très bonne spé. Donc, ouais, voilà la mise à jour, les gars. Franchement, la mise à jour, elle est chaotique. Comme d'habitude, vraiment chaotique. Voilà, je cherchais mes mots, les gars. Hein. Le portail, en vrai, j'ai oublié de le dire. Le portail, le voici. Donc, a priori. Ok. On va traduire. Donc, elle s'appelle Megerda. Donc, les deux persos sont à 0,5. T'as Brynhild dessus. T'as Jan Ragnarok. Elisabeth Verte. Jan Petite Verte. Gloxinia Rouge. Ok. Gozer. Gozer Rouge. Ok. Lilia, Ludociel, Gerhard et Arthur Rouge. Bon portail en soi, bon portail, mais ouais, je comprends pas en fait, y'a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils nous mettent Brynhild et Jan? C'est bien, hein, genre c'est bien, t'as envie de dropper Brynhild, c'est OP de ouf. Mais pourquoi on a toujours pas eu le retour de Sigurd et Elvé Ragnarok? Vraiment, je comprends pas, il y a aucune logique dans le jeu, il y a zéro logique. C'est hallucinant, donc ouais, bah, mise à jour vraiment pas ouf dans l'ensemble. Dans 2 semaines, il y aura un fest. Donc ouais, les gars, honnêtement, je sais pas ce que je vais faire, soit je vais arrêter le jeu, de toute façon, au pire, je ferai une vidéo détaillée, mais je pense que je ferai pas de vidéo jusqu'au prochain fest. Je sais pas, vraiment, je verrai, les gars, mais honnêtement, je vous le dis. Le jeu actuellement ne m'intéresse vraiment plus. De toute façon, je pense que tu as dû le voir sur YouTube. Je upload plus trop de vidéos. Enfin, plus trop. En vrai, j'essaie de upload quand même une vidéo par jour. Maintenant, en vrai, j'ai plus l'envie. Y a des collègues qui ont totalement arrêté les vidéos sur CDS. Ou qui font uniquement des vidéos invocation, page note. Enfin, vraiment le strict minimum. Mais bah, ils jouent plus sinon en dehors de ça. Donc, ouais, sinon, ouais, encore une fois, dans l'ensemble. Mise à jour déjà vue, revue, enfin bref, tu connais. Aucun changement dans le jeu, toujours pas de cave. Enfin ouais, les gars, vraiment, c'est terrible. Hein, parce que je le rappelle, on avait eu un screen qui parlait des ajouts dans le dernier trimestre de cette année. Et là, on est quand même mi-novembre bientôt. Hein, mi-novembre, il n'y a toujours rien eu. Il n'y a rien eu, les gars. Il n'y a littéralement rien eu. Du screen. Même pas une cave. Même pas rework des super boss.
Même pas le nouveau mode de jeu. Donc un mode de jeu un peu faction, je sais pas trop quoi. Après, il y a quoi? BDG Rework. Bon, a priori, c'est le L uniquement. Ok. Le L uniquement. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, ouais, je comprends pas trop. Honnêtement, je ne comprends pas trop. Donc, ouais. Mais ça va regarder, les gars. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée. Bon appétit. À la prochaine. Peut-être demain, vidéo à vocation. En vrai, j'ai quand même envie, pardon, d'avoir la meuf. Je sais pas, en fait, j'ai envie de l'avoir, mais j'ai pas envie de l'avoir. Genre, c'est trop bizarre. Bah, je sais pas. On verra. On verra, on verra. On verra si déjà j'ai envie de lancer le jeu. Enfin, bref. A plus, les gars.